Puisque maintenant, écoute bien le son de ma voix. Pour une bonne inspiration, je vais juste enlever ton prénom de ta mémoire. Ton prénom, il s'est complètement effacé. 1, 2, 3, avec toi. Ok, super, ça va? Ok, tu viens de comment? Alors, t'es venu avec tes parents, c'est ça, non? Sa mère. Sa mère, c'est laquelle? La mère célibataire, là. C'est ta mère? Comment elle s'appelle, votre fille? Camille. Alors, ta mère me dit que tu t'appelles Camille, c'est ça? Voilà. Fermez tes yeux, Camille, écoutez le son de ma voix pour une bonne inspiration. Ralentez, écoute bien le son de ma voix, puisque maintenant, au compte de 3, 1, 2, 3, dors, reste comme ça. Très bien. À partir de maintenant, je te fais mettre. Ah, ça va? Ferme tes yeux. Laisse-toi aller, ferme tes yeux. Écoute bien le son de ma voix, reste droite et immobile. Pour une bonne inspiration, dors comme ceci, très bien. Dors deux fois plus, comme ceci. Maintenant, je vais te mettre un nouveau prénom. En fait, ton prénom à toi, tu t'appelles Rata. Rata, c'est ton prénom. Mais ton nom de famille, c'est Touille. Tu t'appelles Ratatouille. Un, deux, trois, avec toi. Tu peux filmer, s'il te plaît. Ok, super. Ça va? Ouais, super. On peut quand même les applaudir un petit peu. Parce que... Alors, la maman, elle est pliée en 4000, en mode portrait paysage, Jenny, comme ça, à l'envers. Voilà, c'est super. Voilà. Alors, je voudrais une petite question. Elle s'appelle comment, ta mère? Bon, des fois, il y en a qui sont perchés plus que ça. Hein. Alors, toi, tu t'appelles comment? Ton prénom, c'est comment? Rata. Tu t'appelles Rata? Oui. Et ton nom de famille? Oui. Et là, c'est ta mère, c'est ça, hein? Madame, vous êtes sa mère, c'est ça? Oui. Vous vous appelez madame comment? Madame Touille. Elle n'est pas hypnotisée, mais bon, elle est née comme ça. Hein. C'est pas... Il y en a des fois... Je comprends pourquoi. Tu vas fermer tes yeux, écoute bien le son de ma voix. Non, comme ceci, très bien. Très bien, écoute bien le son de ma voix, puisque dans un instant, lorsque je te dirai, ton prénom va revenir. Mais... Quand je te dirai, tu vas t'asseoir. Merci, encore une chaise. Très bien. Quand je te dirai, tu vas t'asseoir. Et au moment où tu vas t'asseoir, tes paupières vont devenir tellement lourdes que tu vas t'endormir aussitôt, dès que je te touche. Réveille-toi. Ok, réveille-toi. Super. Tu t'appelles comment? Camille. Super, on peut le dire Camille. Camille, tiens, assieds-toi là. Voilà, ferme tes yeux. Donc, ceci. Ça, c'est facile pour emballer les nanas. Des fois, les mecs, ils me disent, comment tu fais? Ben, j'en ai plein mon carnet d'adresse. Tiens, on va venir, mademoiselle la serveuse. Je vais vous demander de vous asseoir là. Ah, ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est bien. Au moins, tu vas servir à quelque chose ce soir, on rigole. Tu vas fermer tes yeux, et tu dors, comme ceci. Très bien. Voilà. La serveuse, c'est fait aussi. On va passer à autre chose. Mademoiselle, mettez-vous là. Très bien. Vous appelez comment? Laurine, c'est ton prénom, c'est pas une maladie, hein? Parce que des fois, tu sais, tu peux encore porter plainte avec tes parents, hein? Ferme tes yeux, Laurine. C'est pas Voldorine, hein? Non, ferme tes yeux, prends une bonne inspiration. Dors, comme ça, c'est très bien. Ok. Écoutez bien le son de ma voix, mesdemoiselles. Écoutez bien le son de ma voix, puisque dans un instant, lorsque vous allez ouvrir vos yeux, vous allez apercevoir le public qui a vraiment une drôle de tête, hein? Et ça va vraiment vous faire rire. Et vous serez morte de rire, hein? De trois...